Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis limite bien cadrée, hein, mais bon, ça fait un quart d'heure que je cherche à bien cadrer. Ouais, mon piédestal, comment on appelle ça le truc là, vous savez? Chut, dites pas. Bref, le truc où on met le téléphone haut quand on a les moyens. J'aimerais bien la caméra pour filmer. J'arrive pas, ça tombe tout le temps, le téléphone il tourne dans un sens. J'ai tout essayé, enlever la coque, laisser. Ah, on s'en fout. Donc là, vous êtes sur une pile de livres, calés derrière par des parfums, enfin, non, par des boîtes de parfums, parce que j'ai plus de parfums. Chut, continue. Oui, c'est les soldes, Dieu merci. Pardon. Oh, élégant, si ça doit bien s'entendre dans le micro. Pardonnez-moi. Toujours la goutte au nez, vous savez? Comme les papys et les mamies qui avaient toujours un mouchoir dans leur manche. Je vous présente mes mères Flo. Qu'est-ce que je disais avant? Ma mère. Hey, pourquoi ça marche plus? Ah, si, ça marche. Il y a un truc bizarre sur mon téléphone. Je ne comprends pas encore tout. Mais un peu longue, mamie. Mamie. Oui, donc on va faire une vidéo. Ça part en vrille. Mais je vais l'appeler en vrac. C'est les vidéos où je mets plein de trucs parce que n'ayant pas assez de matière pour faire une vidéo par thème, c'est les vidéos où je parle un peu de tout à la one again. Vous avez raison, be so fly. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, il faut deux coups. Ma bague est orange, le reste c'est rouge. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors cette main, il ne faut pas la regarder trop près parce que c'est la main droite, donc bien entendu, celle qui frotte la vaisselle et tout. Elle en est déjà au moins à sa deux ou troisième rectification. Alors que la gauche qui a été faite il y a déjà un grand moment n'a pas bougé d'un poil. Bien sûr, celle-ci, elle ne fait rien. Enfin, ce côté-là ne fait pas grand-chose. Est-ce qu'on s'en fout complètement? Allez, on y va. Et là, il m'était venu un truc, et je l'ai déjà perdu. Je récupérerai sûrement. On va juste parler vite fait, on va parler de tout et de rien, surtout de rien. Nous sommes allés chez Picard parce que nous voulions acheter des sorbets. Et je trouve que c'est là où tu trouves des sorbets moyen chers, enfin moyennement chers, et surtout des petits contenants. Donc, bon, ils sont chers, c'est clair, mais au moins c'est du vrai sorbet, c'est pas juste de l'eau. Donc, non seulement, bien entendu, nous avons pris les sorbets, mais nous avons également pris. Ah non, c'est pas là en plus, pourquoi j'ai mis à son bras, c'est pas grave. J'ai pris la pâte à pizza, je me dis, tiens, pourquoi pas, il y a deux pâtons de pâte à pizza surgelés. Évidemment, ben, tu dis, écoute, on va bien voir, puisque maintenant j'ai un congélateur un petit peu plus grand que le précédent, mais surtout bien mieux rangé, puisqu'il a trois tiroirs, alors que l'autre, c'était un fourzitou, vous voyez? D'ailleurs, il faut déjà que je le range, parce que quand j'ai reçu le frigo, j'ai tout bien rangé. Vous savez, ça c'est comme la rentrée des classes, on commence à bien écrire sur son cahier, et au bout du compte, ça part en vrille. Ben là, c'est pareil, mon congé, ça fait combien de temps? Un peu plus d'une semaine qu'on a le frigo congélateur, et c'est déjà le bins dans le congélateur. Mais ça, c'est moi, il n'y a que moi qui m'en occupe. Hein. Ben, de toute façon, la cuisine est mon territoire. J'aime bien quand chéri me dit, je viens t'aider, d'accord, pour ranger la vaisselle, par exemple. Et ça, je le mets où? Mais ça, je mets où? Bref, déjà il se propose. Oui, bon, nous n'avons pas pris que donc ça. Oui, donc oui, donc la pâte à pizza, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors hier j'en ai eu. Non, avant-hier, j'en ai sorti. Si vous êtes une boulange dans l'âme, ce que je devrais être et que je ne suis pas. Oui, des fois que des gens passent par là et ne comprennent pas ce que je dis, je suis fille de boulanger-pâtissier. Mais
C'était dans un petit village et papa n'avait absolument pas le temps de nous apprendre quoi que ce soit ou de nous montrer quoi que ce soit. Ne prenez pas le temps, on va dire. À l'époque, bref, à force de ne pas prendre son temps, il en est mort quelque part. Mon papa. Oh, c'est bon là, Florence. Entre ça. Non, on en parlera pas. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça m'échappe. Ah oui, si, j'ai pris un sachet. Comment c'était noté dessus? Je sais plus. Aiguillette de poulet ou effiloché de poulet, je crois. Génial. Vraiment génial. Avec les figeaux. Avec elle. Avec lui. Avec l'effiloché de poulet. J'ai tout fait cuire en même temps. Mais j'en ai fait deux recettes. C'est-à-dire que j'ai fait cuire avec, bien entendu, des oignons, de l'ail, des épices, en veux-tu, en voilà. Bah tiens, voilà. Oui, c'est très drôle. Ça, c'est pour enlever les rides d'amertume. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs, ces aiguillettes? Ah oui, un jour, j'en ai fait, j'avais acheté un paquet de pain à burger. On avait utilisé un avec des steaks hachés. Mais encore, moi, je crois que j'avais dû mettre du poisson, enfin peu importe. Là, je me dis, ben tiens, avec un effiloché de poulet, poulet, dinde, ce que tu veux à la limite, bien. Bien mitonné, en rajoutant du fond de rôti, de l'eau pour enrober tout ça. C'était super, super. Moi, bien sûr, avec plein d'oignons, tomates, salade. C'est-à-dire qu'après, de toute façon, mon hamburger, je ne peux pas le manger. Enfin, si, je peux le manger, mais hier, je fais pas un. Pas possible. Enfin, comme à chaque fois que je fais un burger. D'ailleurs, personne ne mange son burger à pleines dents, c'est pas possible. Tu fais des demi-bouchées à chaque fois. On s'en fiche. Donc voilà. Et la deuxième partie de mon mitonnage, ça ne me revient pas ce que j'en ai fait. Oh, j'ai dû faire avec des pâtes, certainement, en rajoutant un poil, mais alors un poilouze, hein. Un petit peu, ou un petit gros, des grandes oreilles. Donc, un petit peu de crème fraîche, remijotée, avec une. Ah oui, ça j'avais fait, ça y est, ça me revient. Avec une cuillère à soupe de moutarde douce, enfin la mienne elle est fine et douce, je crois. Moi j'aime la moutarde, mais alors la super forte, j'ai du mal. Pourtant, la moutarde, on a dû en mettre dans mon biberon. Papa en mettait partout de la moutarde. De partout. Et je suis un peu comme lui. C'est bien, c'est pas calorique la moutarde. La sauce, la moins. L'accompagnement sauce, le moins calorique qu'il est. Moins calorique qu'il existe. Voilà, donc remijotage de tout ça et servi avec des pâtes. Mais non! Je me souviens, ça y est, donc j'ai fait mijoter tout ça dans la sauteuse que je n'ai pas, que je n'ai plus, qu'il faut que j'achète depuis tant que je le dis, mais à chaque fois, ouais, le mois prochain, ça peut attendre, oui, le mois prochain, et le mois prochain, ça peut attendre, comme tout ce qu'on doit acheter en ce moment, doit ou dont on a envie. Donc j'ai fait ça dans une très grande poêle. Sauf que je n'ai pas de couvercle correspondant. Prochain achat, pas cher, un couvercle, vous savez, un grand couvercle qui se met, et qui a plusieurs rainures pour mettre sur plusieurs, pour mettre, je m'emballe, pour mettre sur plusieurs, je suis loin, hein, pour mettre sur plusieurs grandeurs de casserole ou de poêle. Donc j'ai mis tout doux, tout doux, tout doux, et quand j'estimais que c'était bien, donc ça va très vite puisque l'émincé, l'effiloché émincé de poulet était déjà cuit,
Là, j'ai rajouté mes pâtes directement. Donc, j'ai fait un one pot pasta. Je n'ai pas dit à chéri parce qu'il m'aurait dit, ah non, les pâtes vont être dégoulinantes, dégoûtantes. Moi, j'ai mal aux pieds et ça me brûle. Donc, j'ai rien dit. Vous savez, des fois, je fais mes trucs en catimini. Bon, ben, ouais, non, je vais pas aimer. Poum, tu manges, tu dis rien. Tu dis rien et tu vois comment ça passe. Voilà. Donc, bien entendu, j'ai rajouté de l'eau très chaude du robinet. Moi, je ne la fais pas chauffer. Là, mon eau peut être excessivement brûlante au robinet. D'ailleurs, attention à ceux qui viendraient chez moi, ceux et celles qui viendraient chez moi, faites attention au robinet. L'eau est hyper brûlante. Donc, dans un contenant quel qu'il soit, moi, je prends mon doseur, vous savez, là. Donc, j'ai rempli d'eau bouillante. Oui, eau bouillante, on peut le dire. Avec dedans un carré de fond de ce que j'avais, c'était donc du fond de légumes. J'en ai mis suffisamment pour que les pâtes aient de quoi se gorger. Il faut que la pâte, elle cuise. Et dans quoi cuisent les pâtes normalement? Dans de l'eau. Un quart d'heure par ligne de recette. Super. On va arrêter là. Donc voilà, on s'est régalé. Chérie a dit que c'était tellement bon. Et donc là, je lui ai dit, voilà comment j'ai fait. Il me dit, ah ouais. Mais oui, il est naïf. Non, il sait pas. Il sait pas. Bon, voilà. On va s'arrêter là-dessus. Non, non, je ne m'arrête pas. Concernant les lessives. Bien sûr. Concernant les recettes. Attendez, je crois qu'il m'appelle. Bougez pas. Je ne sais plus comment on fait. Oh putain de toi. C'est reparti. Normalement, c'est reparti. Oui. Ouais, tant que j'y pense et que je vous tiens. Oh là! Oh, il s'est défait, non! J'ai déjà mis une demi-heure à le caler. Sinon, c'est porte ouverte au courant d'air, hein, entre autres. Donc, en même temps que je me fais scier, je voulais parler de mon Vinted. Alors, notez ceux et celles qui seraient intéressés. Je crois que j'ai rajouté dans la barre d'infos. Mon Vinted, c'est très simple, pas du tout. C'est clé, C-L-E, non, C-L-E, R-E-M, clé REM, 0303 slash. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, je vais y mettre minimum. Ah putain. Minimum deux robes qui sont très belles. Mais une qui pourtant est d'une taille tout à fait ordinaire. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'air con comme ça. Oh, j'y arrive pas. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va laisser tomber. Sauf que ça va se planter dans mon sein. Ouais. Dont une qui est soi-disant. Bon, acheté sur un marché mentonais, je crois que c'est de facture italienne. Je crois que c'est noté sur l'étiquette. C'est pas bien de pas regarder les gens quand on parle. Bon, écoutez, ça va sûrement me. Bon, mais là, normalement, vous verrez pas, je suis comme une brille. Oui, j'ai toujours un problème de décolleté. Mais normalement, cette robe, attention. Il faudra revenir au truc précédent. Cette robe-là, je la mets cette année qu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle est au genou, d'habitude, juste au-dessus du genou ou juste en dessous. Je ne sais plus. Bon, ça dépend. Il faut que je me lève. Vous pensez bien que je vais pas le faire. Alors là, ça va devenir une vidéo pornographique pour les plus de 60 ans. J'imagine qu'il y a. Bref. Oui, donc, elle est d'une longueur que je ne porterai pas cette année. Pourtant, c'est la longueur que je préfère. Juste au genou, vous voyez. Sauf que mon mollet gauche,
malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut me donner, malgré tous les conseils de la terre, les visites chez le médecin généraliste, les visites chez le médecin des artères, des veines, enfin bref, vous avez compris, rien n'y fait, ma cheville continuera, mon mollet continuera à gonfler tant que je n'aurai pas une activité physique qui active la pompe que nous avons sous le pied. Et ça, mon gars, on n'est pas rendu. Ah oui, tiens, ça me fait penser à un autre sujet. J'arriverai pas. Je pense que cette vidéo sera en deux fois. Il y a des chances. Et ouais, et en plus, elle est toute bleutée sur la cheville. La cheville est toute bleue. Comme je vous en avais parlé ça déjà. Et l'angiologue m'a dit que c'était pas grave, c'est parce que j'avais la peau fine. Bah, moi j'ai la peau dure, dit. C'est la vieille carde à qui vous parlez, madame. J'ai dû lui dire un truc dans le genre. Bah ouais, moi je me marre de toute situation, sinon tu meurs. Enfin non, bah non, si c'était aussi facile de pas mourir et de plaisanter que ça t'empêche de mourir, ce serait chouette. Donc effacer ce que je viens de dire, c'était une énorme bêtise comme ma tronche. Oui, elle m'a dit, vous avez la peau fine, donc vous l'avez toutes les vénules qui forcément ont du mal à... Ah non, ça continue. Ont du mal à vivre et à faire leur travail, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à faire monter le sang de vos jambes, de vos pieds même, jusqu'à votre cœur. Donc, ça se bouscule au portillon, donc ça fait plein de petites vénules. Mais c'est concentré sur la cheville et ça remonte un tout petit peu vers le haut du mollet. Mollet, c'est comme les œufs. Oh, mollet, oh, ça me fait mal. Bon, j'avais déjà fait cette blague débile dans une ancienne vidéo. Les mollets, les deux mollets, tout ça. Ok. Donc, cette jambe, ce mollet me complexe. Déjà parce qu'il est plus gros que l'autre. Déjà dans la famille, on a des gros mollets. Ça a toujours été. Et mince, gros, petit, large, trapu, ossu, fessu, tout ce que tu veux. Tous les mots que vous trouvez dans les mots fléchés ou dans les mots croisés. Donc, dans la famille, toutes les femmes ont des gros mollets et des problèmes circulatoires. Vas-y! Donc, je suis complexée par ce mollet. D'où, ces années, j'ai décidé de porter des robes ultra longues. Alors, surtout pas la robe qui t'arrive au milieu du mollet. Parce que, qu'est-ce qu'on va voir? Juste le jambonneau du bas. Ah ouais, une espèce de jambonneau que tu mettrais ça au four pendant 7 heures avec des patates autour. Ouais, bref, donc, tout ça pour rien dire. Et le sujet d'avance, c'est quoi? Vinted? Peut-être bien. Donc, j'ai deux robes, c'est sûr, à mettre en vente, dont une sublime robe rouge, vous m'avez vu la porter l'année dernière. Tout le monde m'a dit à peu près qu'elle était trop grande pour moi, je le savais. Pourtant, elle est étiquetée S slash M, qu'on soit bien d'accord, elle n'est pas en latex. Elle a osé le dire, oh bien. Après ses décolletés offensants, elle parle de SM. Donc, malgré l'étiquetage SM, que la dame m'avait dit, ça vous dira. C'est pas que j'avais dit kilo de plus, hein. Elle te dit, elle est folle celle-là. Eh ben, dis donc, c'est qu'elle avait raison. C'est qu'elle est trop grande. Elle correspond, à mon humble avis, à un XL sans problème. Donc je suis perdue dedans, ça ressemble à rien, pourtant elle est magnifique. Elle est rouge, une petite fleur blanche, me semble-t-il, et je crois qu'il y a des petits points ou des mini étoiles dorées. Quelque chose comme ça. Remontez dans mon SMS. Remonter dans mon fil
Insta et vous la trouverez sur les photos de l'année dernière. Ouais. Donc je vais vendre celle-ci, je vais en vendre une fond bleu marine clair, avec des impressions de feuilles ou de fleurs blanches. Cette robe, les garçons à l'époque m'ont dit Flo, elle te va trop bien. Ben, je ne l'aimais pas quand je l'ai essayé. Je l'ai acheté parce que j'avais des compliments d'homme. C'est, je suis naïve, moi. Et en fait, je l'aime pas du tout. J'arrive pas à la porter. Je la porte, je me sens mal dedans. Donc, je vais la vendre aussi. Pur coton, je me souviens de ça par contre. Très agréable l'été. Le pur coton ou le pur viscose. Ou encore mieux, la popeline de coton. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Si l'une de ces deux robes vous intéresse, dites-le-moi. J'essaierai de mettre des photos sur Insta et on s'arrangera entre nous. Ok, les babies. Ah oui, il y a ça aussi, je me dis, il y aura peut-être moins de vues aujourd'hui. C'est les élections, con. Oh putain, les élections, mais con de con. Alors, c'est pas ici que vous aurez mon avis. J'ai vu des youtubeuses qui consacraient quasiment une vidéo ou une grosse partie de leur vidéo à la politique. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Pas non. Franchement, est-ce que tu es une chaîne politique? Est-ce que tu es journaliste? Est-ce que tu es habilité à en parler de façon. Bon, c'est la chaîne de ces personnes, elles font ce qu'elles veulent dessus, je suis d'accord. Mais dès que j'ai eu commenté la vidéo, que j'ai eu c'est ça, oui, je suis partie. Et j'ai pas mis de pouce ni en l'air ni en bas, rien, puisque c'était pas mon goût. C'est pas mon goût politique, c'est pas ce que je veux dire. Ça, on s'en fout. C'était pas mon goût, je trouve que ça n'a rien à faire sur une chaîne qui n'est pas faite pour ça. Vous voyez? Si d'une chaîne de lifestyle ou de trucs comme ça, qu'est-ce que ça vient foutre là? À moins que tu aies une demande de tes abonnés. Et puis que pour toi, ce soit hyper ultra important. Bref, donc, vous ne trouverez pas de position sur les élections là-dessus. Ni les élections, ni politique, on ne parlera jamais de politique. J'ai parlé une fois religion, ça s'est très bien passé. J'avais peur d'être pas agressée, mais d'être mal comprise. Non. Cette vidéo avait été super bien accueillie. Je crois que c'est l'islam et moi, me semble-t-il. Je vous conseille d'aller la voir et de me donner votre avis, surtout si vous êtes de cette confession. Ça m'intéresse encore plus. Bon, je suis. Bon, vous verrez, vous me connaissez, je suis tolérante, ouverte à tout, porte et fenêtre. Bon. Je crois qu'on va arrêter cette vidéo. 23 minutes. Il est quelle heure à la montre? Il est midi 10. Pas que ça à faire. J'ai une sauce tomate qui tourne dans mon robot. Donc on est tranquille. Hey, pas folle la mouche. Ah oui, je parlais de mes ongles. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Sûrement même. Je compte sur vous. Je n'ai plus les moyens, ou en tout cas pas envie de consacrer de l'argent pour aller chez la manicure faire un semi permanent. €30 pour 3 semaines et une de mes pharmaciennes, ouais, parce que moi j'ai des pharmaciennes, bon, pharmaciennes tout autour du ventre. Hein. M'a dit qu'à un certain endroit, c'était €37 pour 4 semaines. C'est bien, mais moi je me lasse au bout d'un moment de la couleur. 4 semaines, c'est pas possible. Déjà 3 semaines, faut tirer. Donc, je refais mes ongles au vernis ordinaire. Mais, comme je vous l'ai dit, ça ne tient absolument pas. C'est agaçant. Regardez, vous voyez? Bon, c'est rien. Hein. Il faut vraiment voir de près le bout qui. Le bout! Le bout qui s'effriche, qui s'abîme, qui s'effriche. Moi, ouais, il s'effriche. Ben, why not? Et donc, je me demandais s'il n'était pas plus intéressant d'investir entre. Ouais, d'investir quand même. Dans une machine à ongles semi-permanents à la maison. Mais sachant que moi je galère déjà à mettre du vernis ordinaire,
Bon, la pose du vernis semi-permanent, c'est la même chose, hein, à part que tu as tout le temps à passer. Hein. Bon, ça, du temps, j'en ai. Hein. Qu'on soit très clair là-dessus. Et puis, je parle d'un sujet tellement futile, là. Pardon. Parce qu'au moins, ça tiendrait plus d'un jour, quoi. À se refaire à chaque fois. Alors, des fois, je fais juste des patchs, vous savez, je remets là où c'est. C'est parti. Si par exemple je vois quelqu'un le lendemain, je vais avoir des ongles nets, donc je fais du rafistolage. Mais le rafistolage, j'y tiens pas. Ça s'écaille à nouveau au même endroit. Il faut que j'arrête de faire ça parce que ça va partir. Donc, si vous avez ce genre d'appareil à la maison, dites-moi si ça vaut le coup. Donnez-moi des conseils de qui, quoi, comment. Hein? Voilà. Je vais arrêter la vidéo là. Je ferai la suite un autre jour. Ou pas. Voilà, bébé, ouais, ça c'est pas intéressant. Ah ouais, je voulais parler de livres un peu, mais bon, d'ici la prochaine, ça aura changé. Allez, je vous aime, je vous adore, faites attention à vous. Soyez fous, aujourd'hui. Ah oui, nous sommes dimanche, donc des élections. Ah, il fait gris, gris, je crois qu'il pleuvouille un peu, je vois pas, mais il fait frais. Et ça. Bon, oh, regardez, le gras, oh, le gras. C'est lusiteux en plus. Ah oui, moi je fais envie, vous avez vu? Assume-toi, le monde t'assumera. Bon, allez, ça suffit. Ciao, ciao. N'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous avez ou pas des machines à ongles semi-permanents, ce que vous en pensez et quels sont vos conseils de marque. Et puis n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez, tant que c'est dans le respect. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me donner des conseils de prix, de fringues, de fringues, ça ne changera pas ma façon de m'habiller. Ah, normalement, dessous, je mets pas un débardeur, une petite nuisette, non, un petit haut en dentelle rouge. Ben là, après sa maison, je ne le mets pas. Et voilà. Allez, ciao, bueno. Prenez la vie comme elle vient, ou en tout cas, telle que vous y arrivez. C'est déjà beaucoup. Faites au mieux, ça ne sera pas pire. Wow.